Bonsoir et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfang pour un nouvel épisode de Guild of Dungeon Ring. Voilà, ce qui sera le dernier épisode tourné à l'affilée, hein, puisque je suis sur ma dernière goutte de café. Hein, après, j'ai plus rien. Hein, c'est le drama. Hein, c'est le drama. Go entrer dans le donjon donc avec Dinchi, ou je sais plus comment elle s'appelle, bref. Machine. Avec des fantômes, des élémentales, des trucs très énervés. C'est pas très drôle ton machin. Alors, on va aller sur le zombie parce qu'on connaît le zombie pour l'instant. On va se mettre ça, qui est de la boldas. Let's go. Tant qu'à mourir, au moins on gagnera une pièce d'or. Lourd. C'est marrant à quel point tu ne gagnes rien. Tu gagnerais des points de vie, c'est hors de question. Tu ne gagnes pas de points de vie. Patate de four. Tu es effrayé. Tu es donc à moitié de ta vie. Bloque tout ce que j'ai, bah bloque. Ah non, ça va, tu t'en prends un quand même à cause de ton propre trait effrayé, c'est vrai. Je perdrai une carte, bon en même temps j'ai des cartes de merde, mais c'est mon principe. Hein. C'est mon principe de te dire non. Pour les... How many ways can a dungeoneer die before you call it a day? How many children must you make cry? Voilà, ce qui nous intéresse, c'est Suart. After that pitiful display. Suart. Ok. 380. On est pauvres, mais... on est des clodos, hein. Donc là, là-dedans, c'est la quête 2. Là, là-dedans, c'est la quête 2, ça là-dedans, c'est la quête 2, et c'est la quête finale. Là, c'est pas la quête finale. C'était quoi ça? C'est quand même une spoil. Je crois que c'est le truc avec les mimiques, ça. Non, c'est là avec les grosses mimiques. Ok, bah vas-y, entrez dans le guinjon. On entre. On entre dans le guinjon. Éviter le zombie tant qu'on dénoue. Le problème, c'est la ça va présenter. Thank you.
dernier, c'est le prêtre. Life, a spear, a sword, a rusty knife, a dungeoneer's life. Now that's to be had. Still, he should have got that tetanus jab. Let's go tryhard. C'est horrible. C'est horrible, on se fait laver en boucle, c'est insupportable. C'est insupportable, et en plus, oh, on a vraiment le setup dégueulasse de votre vie. Let's go, c'est parti. Avec une fontaine où on voit R, c'est super. Voilà, et en plus, on aura le blindness pour le prochain combat. Alors, est-ce qu'on adore pas un peu? Est-ce qu'on adore pas un peu ce qu'il nous offre là maintenant, le jeu? Moi, je pense que c'est vraiment le cadeau de notre vie. Regardez ça, on a que des patates à 1. Mais putain, mais crève quoi, crève charogne. Au secours. Super, je vois qu'une araignée. Super. Et encore, très honnêtement.
pas ce qu'il a, donc vas-y, hein, bah, on va bourrer. On va le bourrer. On va le bourrer parce qu'on sait pas ce qu'il a. On va quand même défendre un peu parce que ouais, je sens que je souffre. Je vais le bourrer parce que je sais pas ce qu'il a. J'ignore complètement ce qu'il aura, donc. Listen now to our hero's epic tale. It was of an epic journey, but also an epic fail. Alors, tu vois, elle déjà, elle est pas trop mal parce que elle a deux attaques à un, mais et toi, ouais, c'est bon, toi, c'est Walid. Ouais, le donge hein, avec tous les nullos dedans. Et on va peut-être pouvoir partir sur une vraie game. Bon, on va se la faire là, hein. On va se la faire là parce qu'on a rush tellement fort qu'on a un peu de temps. Let's go. Alors je pourrais prendre le truc à point de vie, mais pff. Merde. Voilà. Va le manger puisque t'as une fourchette. Directement.
faire des monstres de niveau de type 2. Et tu bosses que des monstres de type 3. Et bah, quel plaisir, on va aller chercher du coup. Mais ça, on en passe assez vite dans sa furie, mais voilà. Là, du coup, on peut l'achever avec une attaque très rapide, genre en premier, paf, t'es mal, c'est ça. Pourquoi quand ça veut, ça peut. Ok, donc c'est juste mon stuff, mais ça, ça bloque tout, ça te tire une carte, c'est pas des. Ouais, c'est ouais, physique et magique, quoi. Ouais. C'est intéressant. Thank you.
Très bien. Alors, du pognon. Du pognon, un zombie. Voilà, terminé. Hop là. Ok. Let's go. Beaucoup d'attaques. Bloqué maintenant. Hop, hop, hop. Finalement une carte. Tac, tac. Fait que un dégât. Normalement là il a pas d'arme. Pourquoi j'ai que je comprends pas cette carte, elle se fout de ma gueule. J'ai tapé sur une armure, j'avais deux, ou alors je l'ai pas vu. Il y avait un coup qui était parti gratos. Il y a un coup que j'ai raté. Vous avez raté quelque chose. Vous avez raté votre vie. Est-ce que je peux faire ça? Ou est-ce que son bouclier le bloque? Oui, son bouclier... Ah non, son bouclier n'est pas bloqué, ça. Je me dis des conneries. Je frappe en premier, ça ne servira à rien. Je lance une attaque. Là, c'est ça. Là, il faut que ça passe. On va jouer tout de suite. Dégage. Dégage, quand on pourrit. Tout pourri, là. Tu es nul, t'es mauvais, Jack.
Moi juste un loot. Moi juste un loutasse. Comme ça le loutasse, je le place sous Fantomas. Je pourrais me faire un ours. Thank you.
j'aime avoir du choix. Si je pouvais avoir mon deck tout entier dans la main, ça serait très ok. Ça ne sert à rien de bloquer. Alors le meurtre. D'accord, ok, on est vraiment sur l'emplacement de monstres. Ok. Ok, donc j'aurais pu lui coller un malus dès le début. Ah, il faudrait que je regarde ça chez le monstre. Donc là, tu mets du 1. Vas-y, on va jouer du 1. Hop. Et il bloque du 2. Et il me colle du 3. Et là, tu n'as pas de problème. La très grosse patatasse. Je ne perds pas de PV. Je perds la capacité de tout bloquer et de full build pour récupérer des points de vie. Ah, il y a la, oh, la lance. J'avais jamais vu la lance. La lance bloque les effets magiques, c'est extrêmement rapide comme jeu, moins agressif que les autres, plus défensif en fait. Ouais, c'est marrant, la lance en fait est plus défensive. Épée ça change rien. Ok ouais, c'est des Blade 2 tous les deux en fait, c'est ça. Blade 2 ouais, ça ne change rien, c'est du stuff similaire. À part me faire perdre du bonus, tout ce que ça fait. Alors je perds une compétence. Là je suis trop faible. On va prendre le Wolf Pet. C'est ça, ok c'est. Il y a vraiment très peu d'attaques. Je suis bien pas bon du tout, je fais quand même des attaques à 3-4 pour comme un souffle. This is just really quite surprising. Thanks to you, I've lost a wager. Against all odds, you're surviving. Next time, I hope you find more danger. Alors,
j'ai gagné une compétence qui est un peu nulle à chier. Puisque on a quand même plus de chance qu'en gros, hein, de ce que j'ai vu, que les fontaines soient à effet négatif plutôt qu'à effet positif. Et ils n'assurent pas, en fait, d'avoir des fontaines à effet négatif. On sera juste sûr d'avoir forcément une fontaine. Et on est attiré par les fontaines. Par contre, le côté d'être attiré par les fontaines, c'est quand même sympa parce que potentiellement, je peux me forcer à faire des détours. Et encore, c'est à voir. forcer, ouais, mais du coup, c'est aussi un des avantages, parce que très souvent, les fontaines ont des effets négatifs. Par contre, excellente nouvelle, on peut avoir accès potentiellement à du bien meilleur stuf, ce qui permettrait de répondre à la question de est-ce que le stuf qu'on trouve est plus pissant dans les donges. Je sais pas si c'est plus puissant ou ça te propose des trucs différents. Bah, ça a l'air, hein, parce que ça, c'est un casque qui donne et de l'armure et de l'attaque. Et qui donne furie. Donc si je suis moitié moins de mes points de vie et tout. Doom plat. Armure 1 et bulwark. Je sais pas. Et ça, ça fait, on a dit, plus un loot. Donc je peux prendre un loot en plus. Ah non, il y a un loot en plus dans les choix. Bon, sachant que ce qui est fort, c'est pas lui, c'est le troisième. Mais on pourrait aussi améliorer nos gars pour avoir des rangers. On peut faire beaucoup de choses, en fait, si, pour ceux qui n'auraient pas compris. C'est terrible. Ah d'accord, ça m'a débloqué tout ça. Ok. On va revenir à nos amours initiaux. Voilà. Qui est la forge de nains. On veut des nains. Voilà. Sur ce, je vous remercie. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Parce que, enfin, attends, je sais pas, mais ça se trouve que l'épisode est ultra long. Oui, l'épisode est ultra long. C'était un vrai donge. Voilà. Des bisous. À la prochaine. Ciao.